J'ai été sollicité par les services techniques de la ville suite à une découverte faite dans le quartier Flaubert qui nécessite des fouilles archéologiques et qui vont certainement rebattre les cartes concernant ce carrefour et son appellation. Nous sommes ici à Palaiseau, au parc Flaubert qui vient d'être rénové. Et lors du réaménagement, les agents municipaux ont découvert des ossements assez conséquents. Et la ville a eu la bonne idée de nous contacter. Première pièce qu'on a pu envoyer en analyse en labo confirme nos intuitions. On est sur des ossements de pachydermes. Nos amis zoologistes confirment qu'il s'agit d'ossements d'éléphants d'Asie, datés d'environ 200 ans. Après nos premières recherches, on trouve trace de plusieurs cirques itinérants dans la région aux alentours de 1900. Et à l'époque, ils utilisaient principalement des éléphants d'Asie, moins massifs que les éléphants d'Afrique et donc plus faciles à maîtriser. Les ossements d'animal retrouvés ici seraient peut-être à l'origine de cette fameuse girouette de l'éléphant. On a déjà extrait plusieurs pièces. En labo, on a identifié un tibia, un métacarpe. Il reste d'autres pièces à identifier et d'autres à extraire. Et on vient d'avoir la permission du ministère pour faire des fouilles plus amples et ouvrir un site pédagogique autour de ce squelette. Je suis très honoré que monsieur le maire de Palaiseau m'ait confié la direction de ces fouilles ici sur ce site. Nous allons en faire appel aux Palaisiens pour ce palais fouille aux vacances de printemps. Et vous avez jusqu'au 15 avril pour vous inscrire, pour venir nous aider.